Garçon, viens ici. Je peux pas voir la télévision. Je vais te parler de mon histoire. Oh. Oui, grand-père. Assis. À la Première Guerre mondiale. Oui. La guerre dans l'air n'est pas une bataille spécifique, mais les expériences des cadets pendant la guerre entière. Alors, commandeur, qu'est-ce que c'est le plan pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on va inspecter les avions. Les fuselages sur l'avion ne fonctionnent pas et on va changer sur une chose plus efficace. Aujourd'hui, on va envahir les cadets dans le camp. Oui, oui, c'est vers l'ouest. Les avions sont pas prêts. Vas-y. Vas-y. Il n'a pas la chance. Oh, yeah. Oh no. Let me down him, sir. Les avions, ils sont ici. Les avions canadiens étaient faits de bois, acier et plusieurs fabriques. Les Allemands ont utilisé un avion appelé le Zeppelin, qui était utilisé pour bomber les ennemis. Les mitrailleuses étaient montées sur les avions pour attaquer dans l'air et sur la terre. Billy Bishop était un héros canadien dans la guerre dans l'air. Regarde cette petite. Peut-être qu'il a de l'argent. Oui, allons-y. Billy Bishop était un garçon de honneur. En école secondaire, il était constamment attaqué, mais il était le plus fort. Billy Bishop était le cadet canadien le plus décoré. En ses victoires, il a détruit plus que 70 avions. Manfred von Richthofen, nommé le Baron Rouge, était l'équivalent de Billy Bishop, mais pour les ennemis, Allemagne. Un jour, il a été attaqué par les Australiennes. Okay. Alors, est-ce qu'il est bon? Oui, c'est bon! Yeah. Les Australiennes! Le Baron Rouge, attaque! Attaque-lui! Le Baron Rouge a gagné 80 batailles dans l'air, mais il avait un peu de compétition avec les Australiennes. Le Baron Rouge était un homme terrifiant pour les Canadiennes, mais grâce à les Australiennes, il a été éliminé le 21 avril 1918. La guerre a montré que le Canada est un pays fort et fiable. Pour le monde entier, la guerre a montré que ces conflits sont très violents et brutaux.
l'Allemagne était considérée une menace pour plusieurs années, ce qui a aidé à issuer la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ça c'est la Première Guerre mondiale. Ah, donc comment est-ce que ça s'est commencé? Oh! Je vais à la frontière de France maintenant. Je suis d'Allemagne. Je veux passer par ton pays. Attends une seconde. Il y a quelque chose de suspicieux ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez! Oh! Oh! Nous sommes arrivés en Belgique. Ubit ćemo ga danas. Ko će ga ubit? Ja ću ga ubit. Dobro, jeste spremni? Ja. Super, ajmo. Kako išlo? Excellent vente des deux chevaux. Est-ce que t'as de l'argent? Vas-y. Ah, donc comment est-ce que ça s'est commencé? Oh.